vaché et athlète de haut niveau. Il pratique la course en montagne. Alors c'est Bruce, le vaché à l'assaut des Pyrénées. C'est un film qui a été tourné pendant 2 ans, c'est un énorme travail qui a été fait ici sur la Haute-Ariège avec Sandrine Merck qui est réalisatrice et qui est spécialisée dans les portraits. Elle a fait un très beau portrait donc de Brice, ce vaché qui vit 4-5 mois de l'année en haute montagne et qui a une particularité par rapport aux autres vachés, c'est qu'il est, sportif de haut niveau. Il fait des courses de trail, d'ultra-trail, et voilà. Et donc, Sandrine s'est intéressée à ce sujet. Moi, j'ai été là un petit peu en appoint, un petit peu caméra et logistique. Après, il y a eu vraiment plusieurs caméramans qui se sont relayés et qui ont fait un travail en coopération à la fin avec Arte. Voilà, donc c'est un très très beau film sur notre pays, sur la Haute-Ariège, avec des très belles images. Il y a eu des moyens techniques avec drones, tout ça. Et puis c'est une très très belle histoire, l'histoire de Brice, c'est une histoire assez incroyable. Il est présenté en avant-première ici à Axeterre. Voilà. Les mélons, on les utilise aussi à travailler. Deuxième film, tant qu'on y était, on s'est dit, tiens, ça serait l'occasion de faire découvrir aux gens d'Ariège un petit film qui a été réalisé, que j'ai réalisé en 2015 avec Marc, qui est un muletier de la Haute-Ariège et qui voulait absolument partir rencontrer les muletiers du Haut Atlas au Maroc pour échanger, voire apprendre aussi les techniques de muletage, puisque là-bas, c'est un fonctionnement quotidien, on utilise des mules tous les jours. Donc je suis parti avec Marc et on a ramené des images et on présente aussi ce film. Alors c'est plus une avant-première parce qu'il a été déjà présenté dans plusieurs festivals.